chercher, on imagine, très satisfaite du résultat et d'avoir la possibilité d'aller au bout de ces playoffs et de jouer un second tour. Effectivement, je suis très contente de ce match. Nous voulions le gagner pour pouvoir accéder au niveau prochain. Maintenant, c'est pas terminé. On a encore une phase à atteindre. J'étais pas contente de mon match de la semaine dernière et je pense que là, j'ai fait mes preuves et je suis contente de ce que j'ai fait aujourd'hui. En effet, le match de la semaine dernière avait laissé des regrets. Vous aviez tout de même gagné 1-0 à Amiens, mais tout n'était pas parfait. Et voilà, le doute peut-être s'était installé sur ce premier match. Nous savons qu'on n'a pas fait du tout une bonne prestation la semaine dernière. On n'est pas du tout satisfait de ce qu'on avait fait. Donc le but aujourd'hui, c'était effectivement de montrer de notre potentiel, de quoi on était capable et de marquer des buts. Alors c'est fait. Aujourd'hui, vous l'emportez largement. Il y a eu une première mi-temps assez disputée. Puis finalement, ça s'est décanté en seconde période où là, ça a été un festival. Notamment, on pense au deuxième but où ça a été un modèle d'action collective. Donc je pense qu'effectivement, les buts qu'on a marqués sont vraiment, ça reflète complètement notre façon de jouer des petites passes, de jouer rapidement vers l'avant, de faire des centres, d'avoir du monde devant le but. On l'a fait aujourd'hui et on a prouvé qu'on était capable de le faire. Vous mettez de bon rail moralement pour ce dernier match décisif de play-off. Ah, c'était important peut-être aussi d'y mettre la manière pour se remettre en confiance après justement ce match aller à Amiens où tout n'était pas parfait, mais aujourd'hui, il y avait beaucoup de belles choses. Effectivement, c'est exactement ce qu'on voulait faire. C'était jouer notre jeu, c'est ce que Thierry nous a demandé de faire toute la semaine. Avoir confiance en nous, jouer petit, des petites passes, et c'est exactement ce qu'on a fait. Et effectivement, ça nous met en confiance pour le tour prochain.